zum Bier? Ein Bier. Jetzt? Danke, aber Kaffee und Bier. Bier und Kaffee ist eine großartige Kombination. Ich weiß nicht. Wann hast du das letzte Mal um diese Uhrzeit Bier und Kaffee getrunken? Ehrlich gesagt, noch nie. Eben. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Kaffee und Bier. Bier und Kaffee. Na gut, ja, ich probier's. Ah, Karim, du gefällst mir. Du gefällst mir. Was ich Sie noch fragen wollte, Herr Blechonschi. Zwei Bier kommt sofort. Jawohl, der Herr. Da sind wir schon. So, ein Bier für mich. Und ein Bier für dich. Prost. Prost. Na, was habe ich dir gesagt? Ja, es ist gut. Ja? Weißt du was? Du hast hier das heilige Dreieck. Das ist Alkohol, Koffein und Nikotin. Hm. Weißt du was? Ich glaube, ich mache mit. Ah, Sie rauchen doch eine mit mir. Sehr fein. Nein, mein lieber Karim. Ich rauche eine Zigarre, weißt du. Die inhaliert man nicht. Das ist lieb, Baba. Die hat mir ein Freund aus Guatemala mitgebracht. Angerollt. Hm. Ja, Freunde sind wichtig. Genauso wie Familie. Hm. Du weißt, was ich meine. Ich selbst bin ja auch ein sehr großer Familienmensch. Wissen Sie, Herr Blechonschi, es ist eigentlich immer mein Traum gewesen, dass ich mich eines Tages selbstständig mache. Und in gewisser Weise war es auch der Traum von meinem Vater, dass ich früher oder später einfach... Hey, Matt! Jo! Yes, you! Okay. So? Hi! Komm her! Ouais, donc voilà, ça c'est la chambre de mon coloc Ludo. Génial! Tu peux tu veux. Et t'es sûr que ça ne le dérange pas, Ludo? Oh non, il est pas là de toute façon. Ok, cool. Ça chante un peu, je suis désolé. Donc ouais, si tu veux prendre une douche, je sais pas, c'est juste à côté de la chambre de Steph. Ok, voilà. Super. Trop bien. Mon frère. Tu mets un petit café, Seb? Avec plaisir. Nina? Ah ouais, avec plaisir, s'il te plaît, ouais. Ok, ça marche. Non, ça marche bien. Je reconnais mon coloc. Bon, sérieusement, ton entretien, il s'est passé comment? J'en sais rien. La nana était hyper froide. Mmh. Je serais incapable de savoir si je lui ai plu ou pas. En tout cas, moi, je pense que t'as très bien réussi ton entretien de Paris, donc il n'y a aucune raison que tu ne sois pas prise. Je trouve que ça m'arrangerait, parce que vivre ici, à Leipzig, c'est... pas mon truc. Ouais. Et comment ça se fait que vous habitez entre Français comme ça? Bah, je pense que c'est genre soirée Erasmus. Ouais. Et puis on a vraiment bien accroché, du coup, on s'est mis ensemble, quoi. On appart. Parce que les Allemands, pour faire des rencontres, déjà, ils s'en foutent de toi. Tu les vois qu'à la fac. Puis, de toute façon, ils te parlent pas. Donc... Ah ouais? Voilà, c'était mieux avec un Français. C'est marrant parce que moi, ce matin, j'ai rencontré une Allemande, elle était très sympa. De toute façon, moi, je m'en fous. Je suis pas là pour apprendre l'allemand. Je m'en fous. Ah oui. Là, pour boire de la bière, manger des pâtes avec mon coloc, c'est tout. Erasmus, orgasmus, hein. Exactement. Bah oui. Putain, vous avez une sacrée bande de branle. Er wird nie ein Herz haben. Thank you.
Warte. Lass mich abheben. Wenn es wie dein Herz ist, dann pflanze ich es mir ein.